Sans voix, sans terre, sans domicile fixe, sans adieu et sans pourquoi. Sans qu'il soit, et sans qu'il soit possible, comme on dit, ce n'est pas Dieu possible. Ce n'est pas Dieu possible qu'il n'y ait plus rien, que cela ne donne rien. Mais rien n'est plus. Rien n'est plus rien depuis qu'il donne sur le monde et s'y rend sans condition. Depuis que le rien se donne, se reçoit et se rend là où nous ne l'attendions pas, où rien ne laissait présager la présence, impossible et pourtant là, la présence qui se fait sentir ici et là, diffusée, fusée dite et rediffusée en un très léger différé. Juste le temps de sentir, de ressentir ce que je sens. Ce qu'un je sens peut ressentir, à peine. À partir de ce qui s'enfuit, s'engouffre avec l'absence. Avec l'absence, nous sommes et nous communiquons. Nous, les sentinelles pour qui le sens veille, pour qui l'absolu a laissé des échardes, des plaies sans cicatrices. Nous, en un rouge adorable, les communistes dépareillés. Nous, sans quoi. Cuando la gente vea, cuando el pueblo vea que puede tener el poder sobre su vida, sobre su tierra, cuando la colectivización sea una cosa real, entonces es posible que los países como Alemania, como Italia, se den cuenta, los pobres, se den cuenta que tienen el poder en sus manos. Que pueden hacer algo. Con el pueblo armado, ¿eh? These people think they have something, but they have nothing. But we have to show to the people that we are, nosotros somos pobres, pero tenemos la vida, tenemos el poder. No tenemos que estar agarrados con miedo a una pequeña propiedad. Tenemos la vida y moriremos cuando tengamos que morir, pero mientras vivamos, viviremos.